C'est efficace pour aller se grotter avec les chansonniers. Je mets la pression si le chansonnier est là. Bien sûr, il fait que voiture. On est des tas qu'on fait de Vous pouvez me dire ce que Gladio fait en ce moment? Il doit être en train de draguer une pauvre fille, non? Mais pourquoi j'ai posé la question? Oh, fuck la police! Fuck la police! Il y a un trésor. Trésor. Peut-être. Pardon? Mais oui. Avec moi, vous ne risquez rien. Bien. Allons-y. Je vous conseille de ne pas trop vous éloigner. Ce ne ferait que provoquer les soldats impériaux. Et à trois, vous ne faites vraiment pas le poids. Tiens, vous êtes bien calme. Nous n'avons rien de particulier à dire. Vraiment? Et si nous parlions de la raison de votre visite? J'imagine que vous êtes ici pour Dumitril. Mais c'est qu'on ne peut rien lui cacher. Évidemment. Le Mithril est un minerai tellement précieux, à tel point que l'Empire envoie son armée pour garder l'accès aux ruines. Mais tu vas nous en donner. Hein? Quelle idée farfelue! Et par-dessus le marché, il est radin. Je pense juste qu'il vaut mieux vous en occuper vous-même. Vous ne croyez pas? Les noirs, c'est grand, mais c'est quand il y a trop, ça fait chier. Je vais vous demander d'attendre quelques instants. Mais qu'est-ce qu'il a en tête encore? Aucune idée. C'est bon, venez. Les impériaux costumes! Oh, ça fait longtemps que je les ai vus. Alors c'est vous qui voulez entrer dans ma troupe. Les petits bleus qui ont besoin d'entraînement. Le prince Noctis et sa suite. Oui. Pronto. Du calme. La politique ne m'intéresse vraiment pas, les bleus. Et je me fiche complètement de votre identité. Vous êtes prêts pour la mission? Quoi? Tu oublies ton entraînement? Certes, je suis payé pour vous escorter. Mais restez tout de même sur vos gardes. Bon, amusez-vous bien. Commandant Aranea, je vous les confie. Ni pêcher, ni prendre la voiture. À mon avis, vous n'allez rien trouver ici. Si vous voulez. À quoi pouvait bien servir cet endroit? T'as une idée, Ignis? Aucune. Je me demande bien ce que sont devenus les habitants. Pourquoi vous n'entrez pas pour les chercher? Par contre, ils ont mangé sur CPV, là, beaucoup de CPV. Hein. Je vois pas d'entrée. En tout cas, pas à cette heure-ci. Mais où est-ce qu'elle peut bien être, cette entrée? L'Empire l'a bien cherchée aussi. Il suffit d'attendre la nuit. Quel temps splendide. Ouais, tu l'as dit. Coucou. Ça veut dire ça. Ah,
Il y a toujours un cul de tenue. Revenez vite, madame. Soyez prudente. La lumière. Et la lumière fut. Oh, j'ai des langues de feu. Regarde ce que tu... Je vous l'avais bien dit. J'étais sûr qu'il y avait un truc pas net. Faut faire confiance à son instinct. Allez, on y va. T'es aventureux pour une fois. Ce sont des amis, les deux, dehors. Ils ont l'air de tenir à vous. Oh, elles vont jusqu'où, comme ça, ces marches. Enfin. J'ai cru que ça s'arrêterait jamais. Les gens, tiens. C'est bizarre. Ils ont laissé la lumière allumée. Vous croyez qu'il y a encore quelqu'un ici? Non. J'ai peur qu'on ne soit pas les bienvenus. Il n'y a rien d'intéressant bon, ici. Continuons de chercher ailleurs. Des squelettes. Déjà, c'était Déjà. C'était pas mal. Et si on essayait par là? Oh. Il y a des cailloux qui touchent à la gueule. Mais il y a combien de salles ici? Va pas te perdre. Bout de métal là. Crevé. Crevé. En tout cas, l'érosion a bien fait son travail. Donc en gros, ça pourrait s'effondrer d'un moment à l'autre. Elle prend de chien, les pauvres. Sérieux, encore? Pas de repos pour les bras. Là, yes. Regarde, c'est là, là. Adieu. Soyez prudents. C'est pour moi. Une pocheuse. Oh. Oh, oh. Pocheuse défendue. Merci. On y va. Ouais. C'est absolument superbe. Oh. Regardez là-haut. Hein? Mais alors, ça veut dire qu'on est sous l'eau? Waouh. Il y a même des poissons. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-il possible que nous soyons vraiment submergés? J'ai l'impression que j'ai plus de mal à respirer. On se croirait dans un rêve. Gladio rate vraiment quelque chose. Là-haut! Oh, je suis pas fan. Attends! Je suis prêt! Essayons de nous concentrer. Avec l'impression
Qu'est-ce que vous avez fait ici? C'est bizarre. Il y a un truc qui me tracasse. Quoi donc? On n'aurait pas raté un truc? Est-ce qu'on peut... T'inquiète, ça tient. Rien n'est moins sûr. Ah, encore une fois, j'ai plus le bon là. Attendez-vous surtout à des démons. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement que l'armée les observe de très, très, très près. Que recherche l'Empire par ici? Des spécimens. On en récolte sans cesse. Spécimens de quoi? De démons. Tu viens, ça? Ouais. Et pourquoi l'armée s'intéresse tant aux démons? Tu n'as pas une petite idée? Ben non. Ah, il faut que je devine. Décoller! Je sais! Oh, c'est trop bon! Tranquille! Les gars! Adieu! Il y a! Stop! En avant! C'était pas mal. Et si je te disais qu'ils en font des armes? Hein? Oui, vous en avez sûrement vu plein. Quelque chose cloche sérieusement avec l'Empire depuis quelque temps. Ouais, enfin, c'est pas nouveau, ça. En effet, je me demande si je ne devrais pas démissionner. Pardon, quoi? Mais qu'est-ce que tu ferais si tu démissionnais? Ce que je veux. Je suis mercenaire à l'origine. Avec mes compagnons, on pourrait par exemple chasser des démons. Ah oui. Ça te changerait. Un petit labyrinthe, allez! Ça va pas s'effondrer, hein? Arrête de stresser! Oh. Quoi? Un truc s'est effondré? On s'en sortira très bien, tu n'as pas besoin. Bien, elle est trop grande. Restez en action. C'est glissé. Adieu. Terminé. Bon, on passe à la suite. De bien avoir des objets pour durer une putain d'arme que j'ai depuis un bail dans cette putain de store. Un mégaphone nux pour ressusciter tous les paysans. Que c'est tous les pelles cul. Ou tous les peines cul. Ça va, vous savez quoi, ouais, ça sent le gros trésor à plein nez. C'est vrai que ça donne cette impression. N'oublions pas ce pourquoi nous sommes venus.
c'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Voilà. Tu vas. Tu as vu ça? Yes. Fini de rigoler. Désolé. J'aime, mais ça ne veut rien du tout. C'est fou le seum total. C'est-à-dire que tu es fort pour rien. Gère les opérations cette fois. Et sois bref, s'il te plaît. Et là, s'il te plaît. À l'attaque. Yes. C'est parti. Voilà. Oh, c'est trop bon. Tranquille. Terminé. Bon, on passe à la suite. J'avais déjà joué de Mithril, oh c'est bête ça. Bon, on va dire que je suis allé pour rien. Faut monter. Quoique, rien ne veut rien dire à ce jeu-là. J'ai qu'à réussir à donner un jeu de Mithril et de l'XP. Et peut-être des CP. Des points de compétence. Des compétences Punt. Ah, je m'en doutais! Oh non, pas un golem de fer! Oh mince, il est énorme lui! C'était à prévoir. Et il a des pattes en plus! T'as l'air que j'ai pas gagné de faire, je dis. Il est tout de suite sûr. Oh, tout ce bruit de métal! C'est de métal! Où est-ce qu'on est? Un escalier, ça nous manquait.
Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Démarche à... Oh, c'est fou. Oh, oui. T'as eu ta musique et drive. Dans le délire. Des pointeurs. Ah, j'en ai manqué des bons. C'est pour moi. Il va crever. Il va crever. Il va brûler. Je vais te congeler. Puis je vais te découper en deux. Terminé. Bon, on passe à la suite. Ah, ça, ça se charge pas. Ah, fait chier. C'est bon, on peut aller de l'autre côté. On y va. D'accord. Remarquez, j'en meurs pas d'envie non plus. Les jets rouges, donc il risque de prendre le feu. Tu dépasses les bornes. C'est glissé. C'était pas mal. Un embranchement. Voyons par où il y aurait un trésor. Si on le savait, ce serait facile. Eh ben, ce sera au petit bonheur la chance. Essayons de ne pas nous perdre. Au petit bonheur la chance, on trouve tout du premier coup. Je le compte sur ma chance, mon temps fait des conneries. Un talisman. Après, c'est quoi, je suis genre à pas me casser le cuir. Oui. Terminé. Bon, on passe à la suite. Trucs durs.
Ah la panique. On va rester que les câbles. On va faire des câlins. Yes. Yes. Attention. Je t'aurai. Cette fois, la peur va changer de camp. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Avançons. Ouais. C'est le donjon. Ah, ça sent le boss. Il y a les trois éléments. Wow, c'est grand. Je suis sûr qu'il va y avoir un gros méchant. C'est le dragon qui gardait le mineur. Je vais appeler ça dragon. Je suis pas très là-bas. Impressionnant. Celui-là, on l'aura pas en deux. Je pensais pas que ce serait si facile. À là-bas. La situation. À là-bas. Fais tes prières. Mais bon, ça va. Il se fout tout seul. On a trouvé ce qu'on cherchait. Dis, Aranea. Oui. Ces armes liées aux démons, c'est quoi exactement? Vous avez déjà vu des soldats Magitech, j'imagine. Oui. Eh bien, ils sont le fruit d'expériences sur les démons. Qui sont issus de démons? L'Empire est devenu d'un sinistre. Il ne fait pas bon être prince. Ah, pardon, roi. Je sais. Il n'y avait pas de tambour réel.
de l'air. Bravo, c'est la fin de l'entraînement. De nombreuses épreuves vous attendent. Et sachez que les rôles ne sont pas gravés dans le marbre. Je ne suis pas sûr de voir clair dans ton jeu. Mais ton aide nous a quand même été des plus précieuses. Vous m'envoyez honoré, même si vous ne me faites pas confiance. Aranea, que les dieux te protègent. Oh, merci. Vous de même. Je vous entraînerai plus si nous nous recroisons. Ah, j'ai failli oublier. Le chancelier a insisté pour que je vous raccompagne. Alors, dites-moi quand vous êtes prêt à partir. J'avoue qu'on s'en est bien tiré quand même. Nocte. J'ai reçu un message de Cindy. Ah ouais? Elle veut qu'on voie un ingénieur à l'Estaloum. Elle a une amie qui travaille à la centrale. Nous devons lui remettre le mithril. Ah, j'espère qu'après ça, le bateau sera enfin réparé. Prisonnier. Une fois reposé, il serait bon que nous retournions à l'Estaloum sans faire de détour. Faites vos préparatifs. J'ai l'impression qu'on reviendra pas de si tôt à cet endroit. Faudrait peut-être en profiter pour pêcher. On a mis le point de pêche dans ce bordel. Il y a un trésor. Oh, puis on s'en fout. Vous allez à l'Estaloum ? Je vous dépose là-bas, alors. Ouais. Bon, vous êtes prêts ? Ouais. Allons-y. Alors, c'est parti. Oh, regardez! Ce vaisseau rouge. Ah, il est flou, fait chier. Ça va être la fin du jeu, je pense. Ça sera des grosses quêtes secondaires. Je suis pas sûr que je vais placer le jeu là. Ah, je peux toujours essayer. Moi, j'en suis. Debout, petit prince. On y est. On dirait qu'il y a un grave problème à la centrale. Mais nous, on ne peut pas intervenir sans ordre. Vous, par contre, vous êtes libre de le faire. Rien ne vous en empêche. Ok. Compte sur nous. Sur ce, soyez prudents. Quelques années plus tard.
Mon cher Noct, cette tenue te va à ravir. Je te la donne si tu l'aimes tant. C'est la seule qu'on ait. Et pour les combats en solo, tu es le meilleur. Oublie ta dégaine et vas-y. Allô ? Tu m'entends ? Merci infiniment d'avoir accepté d'exterminer ces démons. Je vais m'occuper de votre mitrille pendant ce temps. Il y a un chasseur qui est entré un peu avant vous. Mais ils sont si nombreux qu'il s'en sortira pas seul. À deux, ça devrait aller. Oh, et je dois te prévenir. Nos appareils indiquent que les démons ont touché au générateur. Il y a un risque que la centrale explose. Alors fais vite. Ouais, c'est compris. Oh, c'est toi le renfort ? Hein ? Ouais. Ces saletés sont vraiment redoutables. Attends. Attends, c'est toi ? Eh oui, je suis un chasseur, comme toi. Allez, suis-moi, essaie d'être prudent. C'est Glaïus. Gladius, Gladius. Avec l'arme à l'épée, c'est pas que lui, hein. Ça se donne de l'XP. Quel travail fantastique. Je me suis occupé du mitril, comme promis. Vous aussi, chasseur. Merci pour tout. De rien. Oh, Gladio ! Alors, c'était toi, le chasseur, dont elle parlait. En chair et en os. Content de vous revoir. Attends, c'est quoi, ça ? C'est nouveau, cette cicatrice ? Elle est classe, non ? Fais pas cette tête-là, je vais bien. Noct ! Gladio ! Quel hasard ! Iris ! Ah, salut, Dustin.
T'es enfin de retour. Tu t'es excusé de les avoir laissés en plan? Disons qu'il s'est racheté en m'aidant à la centrale. À la centrale? Le mitril est prêt alors? Si c'est le cas, donnez-le-moi. Je vais le livrer à Sid. Je pars pour KM immédiatement. Rejoignez-moi là-bas quand vous serez reposé. Noct, jette un coup d'œil. Quoi donc? On est chaud à l'Estaloum? Ouais, ça c'est rien de le dire. Et sinon, pendant mon absence, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on avait de la place dans la bagnole. T'es un petit malin, toi. Content de vous voir. Je vous loue une chambre? Salut. Il me faut des tomates. Belle matinée. Salut. Tu vois des tomates? Voilà. Ah, tu ne vois pas de tomates? Tu vois des tomates? Tu sais que je vais faire foutre avec l'action que j'ai fait. Repassez-moi. Tu veux des tomates? Des bonnes tomates? Des bonnes tomates du pays de Sorde. C'est impressionnant, mais en tout cas, j'ai séché, j'ai dit super bien. Mais tomate, ce n'était que tomate. Dis donc, tu es au courant? Ouais, une requête. J'ai vraiment très envie d'acheter des cup noodles. Moi aussi, j'aime bien les nouilles instantanées. Mais la passion de Gladio, c'est un autre niveau. C'est facile à préparer, à manger, et en plus, c'est bon. Oh, je me rappellerai ma première bouchée jusqu'à ma mort. Ah. C'est peut-être parce que c'était un goût nouveau pour quelqu'un habitué à la grande cuisine. J'ai eu une idée de génie tout à l'heure. Un bon plat, ça se cuisine avec de bons ingrédients. On est d'accord? Bon. Donc, si on ajoute un ingrédient exceptionnel dans des nouilles instantanées, on obtient le repas ultime. Choisis, Noct. Tu préfères la viande, les œufs ou les crevettes? Les crevettes! Ah, de bonnes grosses crevettes fraîches avec des nouilles instantanées? C'est une super idée. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît. C'est un défi culinaire digne d'être relevé. Oh, on va se régaler. Bon, maintenant qu'on s'est décidé, passons aux choses sérieuses. Commençons par chercher des infos. Ok, d'accord. Si vraiment t'y tiens. Trente-neuf, je crois. J'essaie de compter, mais j'espère qu'il se remet. Je crois qu'il doit avoir accès 39 au profit d'argent.
Bienvenue. Vous mangez quelque chose ? Merci d'être passé. À bientôt. Oh, c'est un crabe boss. Oh. C'est une vraie quête de 35. On est cool, on est fort et on est pas mal. Cette araignée, elle est assez étrange. C'est d'ailleurs étonnant qu'elle fasse partie de l'armée impériale. Dis, tu te souviens de cet endroit, Noct? On y est déjà venu avant. Ouais, vaguement. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi ? Noct, tu vas continuer à te battre, hein ? Ce talisman devrait t'aider. J'espère. Ça s'appelle un Mog. Il a le pouvoir de tous vous protéger. Alors n'hésite pas à l'utiliser. S'il s'abîme, je le réparerai. Bon, tu me trouveras à KM. Bye bye ! Mais qu'appelé je dis. Ben moi, Aranea, elle m'a vachement impressionné. Avec sa tenue ? Eh ben, oui, ça aussi. Je veux dire, les impériaux, jusqu'ici, je croyais que c'était tous des salauds finis. Elle sort de leur itinéraire, c'est certain. Moi, je me demande bien ce qu'elle pense vraiment de l'attaque d'Insomnia. Va savoir. Oh, et voilà, c'est un certain contenu qui est enfin fissuré. J'ai pas envie de faire de la chasse, je sais pas pourquoi, j'ai la vocation de faire chasser. Mais je suis à 40-41. Pas l'équipe de précassés. Oh, on est des précassés, on est là à la radio. Thank you.
pense que je ferai les donjons seuls à la fin du jeu. Sans me garder, ça peut être qu'à la fin du jeu. Il y en a deux qui sont dans le désert. On descend là. Les mecs qui s'arrivent pour les chasser. On va chasser. Les amis, soyons prudents. Parce qu'il est sujet à affaibli. C'est pour moi. Retour. Bien chaud, vas-y. Bien vu, Gladio. Ok. Par ici. Tiens, coup. Toujours en vie. Prends ça. De quel côté? Oh, je suis désolé. Boruto va pas tarder à nous lâcher. Fini de plaisanter. Aide-toi, Travel. Ne fais pas de soucis, évidemment. Gladio, prends pas où tu gères. Cette fois, la peur va changer de forme. Bien vu, Gladio. C'est bon. Storm. Il se pourrait que ça se complique un peu. Suffit de trouver une bonne tactique. Ah, je meurs de soif. Et moi, je meurs de faim. L'importance. Qu'on soit vivant. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. On a besoin d'exercice. Ah, oh, crapaud qui s'appelle Christ. Noct, attention à tes arrières. Compris. C'est pas mal ici. Alors on va camper. Méga élixir. Elle est géniale cette vue. Attention, séquence photo. Excellent.
Destination suivante. L'averse est passée. N'oubliez pas que les animaux peuvent se montrer très féroces. Ça va être tranquille. C'est des prières. Adios. T'as fait à faire ça, Doc. On s'en sort pas si mal. Prêt pour la baston suivante. Noct, j'entends un moteur Magitech. Bien, quel est le programme ? Tiens, tu fais une belle photo ? Allez, un petit clic. Bien. On a ce qu'on voulait. Hop, c'est là. Hop. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais.
C'est vraiment magnifique la nuit par ici. Et il paraît qu'Alticia est encore plus belle. Ah oui, c'est vrai? Bienvenue. J'espère qu'on se reverra. Dites, vous croyez qu'Aranea va quitter l'armée ? Dites donc, elle t'a vraiment tapé dans l'œil ? Bienvenue à Galdina. Oh ! On peut dire que vous tombez très bien, mon cher chasseur. Vous me cherchez ? Oui. J'aurais besoin d'un coup de main, pas en tant qu'informatrice, mais en tant que cuisinière. Je cherche un ingrédient ténébrin. Ténébrin ? J'en ai besoin pour une nouvelle création pour le restaurant. Au départ, je l'avais élaboré en l'honneur de votre mariage avec Dame Lunafreya. Mais avec ce qui s'est passé, la recette était restée dans mes tiroirs. Ah, d'accord. Vous aurez peut-être du mal à trouver ça par ici, mais vous voulez bien en chercher pour moi ? Le plus fort, c'est exactement ce que je voulais. Ça va, y a pas eu de bobo? Eh ben c'est gentil de demander. Je vois bien que vous êtes en un seul morceau. Avec mes accessoires, vous craignez rien. En parlant de ça, en voilà un nouveau. Ils sont super géniaux, mais je suis fier de ce petit bijou. À mon avis, tu vas adorer. Allez, repasse me voir bientôt. Bon, tu sais ce que je vais dire. Que tu veux encore une pierre. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est que je manque un petit peu d'infos. Bon, en tout cas, j'ai trouvé l'endroit approximatif. Donc voilà, si tu pouvais essayer d'y aller. Travers rubis brut. Il nous envoie chercher ses pierres dans des endroits de plus en plus dangereux. J'ai l'impression qu'il a changé. On dirait que le métier de bijoutier lui tient. Une recette créée en votre honneur. Ouais, pas étonnant qu'elle l'ait mise de côté. Mais finalement, tu as survécu? Ouais, faut qu'on rende honneur à son initiative.
Alors, qu'est-ce qui t'intéresse cette fois? À bientôt, j'espère. Joli. Joli. Tu vas pas, petit. Waouh. Bien joué, Nob. Il est bien gras. Il est du poisson à terre, là, sur la peau. Ah oui, ils sont fous. Chercher d'appât. Ah, les poissons allemands. Tout à sa part. Celle-ci, Kikou. Yala. Oh. Noct. T'as le droit de te réjouir, tu sais. Il est tout petit. Il est tout petit. C'est le poisson. Yala.
Bien joué, Nob. Et puis là, c'est le poisson. Je vais pêcher un de ces poissons, ça va être monstrueux. Eh ben, il est vraiment à temps. Nous y sommes. Je dors debout. Mange quelque chose avant de te coucher. Qu'est-ce qu'on va manger ? Il parle de paix, toi. Non. T'as vu ta tête ? Hein ? Encore Gentiana ? Je comprends pas. Elle n'était pas là. Oh, Ignis commence à me saouler, à me faire la morale. Déjà. Si tu te levais plus tôt, il serait moins souvent sur ton dos. Hein ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour que tu y arrives ? Je sais. Demain, on se lève à l'aube et on part tous les deux s'entraîner sur la plage. Si t'es si sûr de toi... C'est décidé. Je veux te voir debout aux aurores. Pas de panne d'oreiller.
Tu vas voir, je connais l'endroit idéal. On y va. Ouais, d'accord. Alors, c'est quoi ton entraînement ? Ben, j'ai pensé qu'on pourrait profiter d'être à la plage pour courir un peu. Hein ? C'est tout ? Ouais, tu dis ça, mais tu feras moi le malin quand tu cracheras tes poumons. Tu vas voir, c'est super crevant de courir dans le sable. C'est un excellent exercice d'endurance. Et c'est encore mieux de bon matin. Rien de tel pour mettre la machine en marche. Et pour bien te motiver, je te propose qu'on fasse la course. La course ? Mais il y a un gage à la clé. Si tu perds, tu pourras t'entraîner avec moi tous les matins. T'es partant ? T'es sérieux ? Bon, eh ben il n'est pas question que je perde. On va courir jusqu'à là-bas. Prépare-toi, je vais donner le départ. À vos marques. Prêt ? Partez ! Les doigts dans le nez. Ça va, tu t'en sors pas mal. Les doigts dans le nez. Ça va, tu t'en sors pas mal. Bien joué, Noct. L'intello va halluciner quand il va devoir revenir de si bon matin au campement, avec du sable partout. Et surtout, oublie pas de te la péter quand tu passeras devant lui. C'est pour ça que tu voulais qu'on y aille aussitôt ? Eh ben, je ferai pas ça tous les jours. Ouf ! Remarque, le paysage est plutôt sympa au lever du soleil. Si au moins tu t'es rendu compte de ça, c'était pas totalement perdu. Bon, on va rejoindre les autres. On va aller pêcher ! T'as bien assuré aujourd'hui. Hey, saute pas dessus là. Tu vois, je peux quand je veux. On va aller pêcher. On va aller pêcher, oui. 20 points de compétence. Allez, on va pêcher. C'est le moment qu'on va pêcher. C'est-à-dire que quand les poissons que j'ai tout vidé les derrière. Allez, on va pêcher. On est fou. Oh oui, on va pêcher de bon matin. T'as vu le matin déjà prêt pour pêcher. Oh, y'a du pascal. On va changer de l'air. Non, pas changer de fil. Encore dans la lanterne. Oh. Ouais, ça fout. Je vais vous pêcher. Que vous voyez, non.
avec la canne qu'avec tes armes. En effet. Ouais, sans pas vous tuer. Hein. Joli. N'enroule pas ta ligne. Mais encore, il approche la ligne. Tu pêches de mieux en mieux. T'es sûr que ta ligne va tenir le coup? Est-ce qu'il y a les poissons? Ah, je le vois. Ah, elle va casser ta ligne. Oh. Tu crois qu'il y a des gros poissons ici? C'est pas bon, ta ligne va casser. Et voilà, maintenant le poisson s'est barré. Si on revenait un autre jour, tu auras peut-être plus de chance. Ok. T'es un champion. Nob, t'as le droit de te réjouir, tu sais. Encore un poisson lampine. Ah, ça a pris de peine, c'est pas tout. De le trouver. Là. Ah, ce serait quand même plus excitant si les poissons du